vas-y. Il a un YouTube channel, hein, 1 million de... 1 million de voyeurs sur YouTube. Beaucoup d'abonnés, c'est ça. C'est pas vrai. Ça se pourrait, hein. Ça se pourrait, mais non, c'est pas vrai. C'est pour le propre intérêt. Pour laisser voir ma femme. Ah. Comme ça, elle peut faire pareil. Bah, c'est possible à refaire à la maison. Hein. C'est plus facile à la maison. Vous pouvez prendre un fouet plutôt que fourcher une cuillère. Ouais. Et c'est plus pratique pour mélanger. Comment tu veux le faire pour ta femme? Ta femme, c'est ça. Elle mange pas de la viande rouge comme ça. C'est de la viande non cuite, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est de la viande non cuite. Et après, si vous le désirez cuit, ça s'appelle un César et non un tartare. Et en fait, c'est la même préparation sans l'huile, vu qu'on fait cuire la viande avec l'huile. Okay. Et donc du coup, c'est vraiment un aller-retour dans la poêle. Et du coup, il est encore chaud autour et un peu cru à l'intérieur. Dat doen ze ook of niet? Ja, dat is het. Ah ja, dat is het. Oké, de twee anderen hier zaten eens. Goeiedag. De chef. Maar zonnebloem. Het was echt zonnebloem. Ik denk dat niet op. Ik mag het hebben. Zie je. Nu staat olie. En fait, c'est quoi en fait? De quoi ça consiste? C'est une à base d'huître. Ah, oui. Base d'huître. Et en fait, quand vous goûtez, c'est très salé. Oui, c'est très. Oui. Oyster. Oysters. Oysters. Ils appellent ça aussi sauce hollandaise. Ah, c'est sauce hollandaise. Est-ce que c'est un nom anglais ou allemand, hein? Ouais, je pense que ça, c'est un produit anglais, mais... C'est peut-être... Mais ils appellent ça sauce hollandaise, mais ouais. Je pense que c'est anglais. Non, mais c'est comme le allez, French fries. Mm-hmm. C'est belge, mais bon, tout le monde dit French fries. Tout le monde dit... Mais tout le monde sait que c'est belge. Mais par contre, vous allez voir, les frites chez nous, elles sont aussi bonnes qu'en Belgique. Ah oui, je vous crois. Elles sont faites maison, on les fait tous les jours. Des ingrédients. Donc là, vous avez cornichons. Oui. Les capres. Les capres, ça. Ça, c'est du persil. Et échalotes. Iemand lijkt op een van de karper. Als ik dan zo in de kolder uit, dan zijn die zo van de kleine, zo karper. We hebben visie gevoel. Ik heb hem weggesmeten. Ja, ook als ik dat heb, wel zo'n beetje een azijnsmaak, zo'n zoutsmaak. Ja, het is wel zout. Misschien wel duidelijk. Niet tegen een Bart zeggen. Ik had hem dan bij een uitlachen. Dat gaat hem. Le Chateaubriand, c'est pour monsieur. Ouais, c'est cool, c'est... Les French fries, tu peux les mettre. Merci. Et tu peux ramener du pain. Heb je dat tussen de twee gepakt of voor de andere gebracht? Nee, met zijn zandjes. Nee, ik heb het niet. Dat is wel. Dat is goed. Ja, dat is wel iets speciaals. Voilà, 5 minuten.